Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant un extrait de La vraie histoire comique de Francion de Charles Sorel. Et nous nous retrouvons devant cet extrait avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. Voici l'extrait en question. J'en fais la lecture et nous essayons d'en extraire les idées principales. Entre ces volumes, il y en avait un plein de métaphores et d'antithèses barbares, de figures si extraordinaires qu'on ne peut leur donner de nom, et d'un galimatia continuel où le plus subtil esprit du monde fût demeuré Akia, si l'on eût voulu expliquer quelque chose. Néanmoins, il appelait l'auteur un Cicéron français, et formait tout son style sur le sien, excepté qu'il tirait encore d'autres de ce temps de certaines façons de parler qui lui semblaient merveilleuses parce qu'elles n'étaient pas communes, bien que ce fût autant de fautes dont une fruitière du coin des rues l'eût repris, et ses beaux auteurs aussi. Je m'en vais vous redire un discours qu'il tint à sa maîtresse suivant ceux qu'il avait lus. Un jour qu'il la trouva toute seule chez elle, comme il allait tout exprès visiter son père. Mademoiselle, lui dit-il, je gagne en perdant, et si je perds en gagnant, à raison qu'en perdant la fréquentation de monsieur votre père, je gagne la vôtre, qui me fait encore perdre d'une autre façon, car je perds ma franchise en vous oyant discourir les incomparables charmes de vos incomparables perfections, que l'on ne peut assez magnifier, se tiennent si bien sur leurs pieds en assaillant, que ce serait être hors de raison que de croire de pouvoir s'en défendre, par quoi ce sera toujours la cause par laquelle je me dirai votre incomparable serviteur. Voilà pour ce texte. Nous pouvons maintenant nous attacher aux idées principales. La première chose que l'on peut voir, c'est qu'il s'agit d'un portrait à charge. Le portrait à charge d'un ouvrage. L'ouvrage, il est ridicule, il est mauvais, il n'est d'ailleurs jamais noté. Et Hortensius, le maître, qui est un sot, et on voit cette bêtise au fait qu'il apprécie l'ouvrage en question. Les défauts d'Hortensius qui sont ici mis en avant, c'est évidemment son insensibilité face au texte. Il n'arrive pas à distinguer ce qui est un bon texte de ce qui est un mauvais texte. Sa prédilection pour les techniques littéraires, les figures de style, l'antithèse, la métaphore qui sont mentionnées dans le texte. Son pédantisme, il cite Cicéron pour montrer qu'il est instruit, mais on voit bien qu'il n'a jamais lu Cicéron ou que s'il l'a lu, il ne l'a pas compris. Son peu de personnalité, puisqu'il se contente lorsqu'il parle de annoncer des textes dont il extrait des morceaux qu'il colle ensemble pour faire un discours, et sa volonté de n'être comme aucun autre, puisque ce qui lui paraît merveilleux, c'est ce qui est rare, ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas vu ailleurs. En d'autres termes, Hortensius est un sot, et c'est sa bêtise que met en valeur le portrait qui est fait de lui. Deuxième idée de ce texte, c'est évidemment qu'il s'agit d'un texte comique. On voit que les deux descriptions s'appuient sur le comique et l'on peut distinguer deux types de comiques. Le premier, c'est un comique un peu léger, facile. Par exemple, la comparaison du maître avec une fruitière, le galimatia final d'Hortensius, ce discours rapporté au style direct pour faire vrai et qui prouve la bêtise du personnage puisqu'il est impossible d'en comprendre quoi que ce soit, qu'il multiplie les figures de style qui ont été mentionnées plus haut comme des choses qu'il aimait et qu'il fait également de graves erreurs de syntaxe dans la façon dont il s'exprime. Le deuxième comique que l'on peut voir dans le texte, c'est un comique plus fin qui fait appel aux connaissances du lecteur. Hortensius cite Cicéron et c'est assez amusant parce que Hortensius, c'est justement le nom d'une œuvre de Cicéron et c'est d'autant plus amusant que l'œuvre Hortensius de Cicéron doit son nom à un orateur antique, ami de l'auteur, qui aurait été un homme maîtrisant parfaitement la parole. Il y a donc ici, en quelque sorte, deux niveaux de comique. Dernière chose que l'on peut retenir de ce texte, c'est le fait qu'il s'agit d'un texte satirique. Dans ce passage, Francion, qui est celui qui parle, se moque de son maître et de sa bêtise. En filigrane, on voit donc se tracer le portrait d'un élève brillant, Francion, qui comprend mieux les œuvres que son maître, qui manie le latin, puisqu'il utilise une expression latine, qui manie le comique et qui manie la langue de façon à produire un discours sensé. L'élève dépasse donc, et de loin, le maître. Ce que l'on peut entendre derrière cette moquerie de l'élève adressée au maître, c'est évidemment une satire, une critique basée sur le comique de tous les maîtres, de tous les enseignants qui sont attaqués parce qu'ils portent un enseignement qui consiste à citer et à répéter des œuvres qui sont mal lues ou mal comprises et qui sont envisagées seulement comme des réservoirs à figures au-delà de toutes les émotions qu'elles peuvent transmettre. Voilà pour les idées principales de ce texte et nous voilà au bout de cette vidéo. Nous avons donc réussi la gageure qui était, je vous le rappelle, de tout comprendre ou presque en 5 minutes de cet extrait de La vraie histoire comique de Francion.
Je vous souhaite une excellente journée.